you very much. You're welcome. Hi, bon dia. Bon, petit déjeuner. Hein. Petit déjeuner. Hey. Nairobi. Hakuna Matata. That's right. Important dans la vie, c'est de vivre à sa vitesse et selon ce qu'on aime faire, ce qui vous fait plaisir. Faites tout ce qui vous fait plaisir. You know? Et surtout pour la première fois, parce que moi je suis pas encore un expert des lives, pour la première fois je vais vous demander de faire des likes, parce que il y a la tribu des Tchoukafé Gela qui font de report sur la page. Donc faites des likes, partagez et tout. Donc c'est la première fois que j'ai à demander ça aujourd'hui, le 30 novembre 2020. Je ne savais pas comment ça se passait. En fait, des gens peuvent interrompre ton live. Comme ça, parce que ça les arrange pas. Alors, il se pourrait qu'ils ne m'aiment pas. Ah, ok, je ne vais pas à leur page. Mais ils sont accrochés sur ma page à chaque fois. Si j'aime pas quelqu'un, je vais pas à sa page. Period. Vous n'aimez pas Richard Benin? That's cool. Then you know what? Don't come here. It's actually pretty simple. You know? C'est une équation très, 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 très simple. Mais non. La tribu du dictateur président est décidée à... Elle est complètement... Elle est obsédée par ma page. Guess what? You're not invited here. You're not invited. Vous n'êtes pas invité ici. Allez dans vos pages haineuses là et tout. Vous n'êtes pas invité ici. Ça, c'est la page de la joie de vivre. You know? Vous savez pas vivre déjà? Alors, just walk away. Ok? It's pretty simple. Life is fucking simple. Quand je viens prendre mon café, wow, ils disent que mon t-shirt est troué. Et alors? C'est mon t-shirt. Man, I wear my t-shirt. Je vais partout avec ce t-shirt. Vous voulez pas que je vienne avec mon t-shirt troué? That's cool. I'm cool with it, baby. I like my t-shirt and I'm gonna wear it. En plus, il y a des trous pour respirer. Vous voyez, à la chaleur qu'il fait ici, là, c'est important d'avoir des petits trous d'aération là, pour pouvoir... you know, you gotta breathe, baby. Mm. I love you too, baby. On est loin. J'ai écrit ton nom sur la mer, la vague pourrait l'effacer, mais jamais dans mon cœur. You know what I mean? Boom! That's it, baby. Love you too. Je poste un voyage subliminal. Ouais, pour moi, c'est un voyage subliminal. Oh, il débarque, mais c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi il poste? Je poste ce dont j'ai envie de poster. Ce sont mes expériences, je poste une photo que je fais et machin, truc, c'est pour ça. Et alors, si je m'habillais pas bien, vous m'insulteriez.
comme vous le faites souvent. Quand on s'habille bien, on t'insulte. Mon grand-père m'avait dit il y a un jour, tu sais, si t'es sale, on t'insulte. Si t'es propre, on va t'insulter. On va dire il est sale. Et quand t'es propre, on va dire il se vante beaucoup. You know what? Faut le faire à ta vitesse. Fais comme ça te fait plaisir. Le plus important, c'est se faire plaisir dans la vie. Et je me fais énormément plaisir. You know what? Oh, j'ai pris un gros plaisir. Je me suis levé un matin. J'avais un billet en business acheté par le promoteur. Voilà comment ça s'est passé. Et le promoteur peut le témoigner. C'est pas, il a acheté le billet, je ne sais pas, c'était un truc 5200 et tout. Et j'ai lu sur la suite de Fly Emirates. J'ai lu sur la suite et tout. Je suis allé sur mon. J'ai un compte Emirates. Et il faisait des promotions plus ou moins. Voilà. Donc je pouvais changer mon billet de business et sauter la première classe et aller dans la suite. J'ai dit, tu sais quoi? Fuck that shit, man. I'm a fly on that fucking suite. So what? Je travaille pour quoi? Je travaille pour ça. Je travaille pas non plus pour. Il faut se faire plaisir. Moi, le matériel, l'argent, on m'en fout, quoi. You know? Les gens qui me connaissent bien, ils savent que, man, I don't care. You know? J'en ai toujours eu, de toute manière. C'est tout. It's just. C'est une manière de penser, c'est une manière, comme je vous dis toujours, quoi. You know? Comme par hasard, j'en ai toujours eu. Voilà. Évidemment, pas quand j'étais chez vous là-bas. Mais j'en ai toujours eu. J'ai jamais été à la déj comme ils aimeraient bien tellement le penser. Ou le souhaitent. It ain't gonna happen. It ain't gonna happen. You know? So. Je poste ce dont j'ai envie de poster. Et c'est un voyage, ça m'a fait plaisir. Mais où est-ce que tu vas avoir tout un studio comme un petit appartement dans un avion? J'ai jamais eu ça avant. J'ai enfin le plaisir de me le faire, ben, je le fais. Je ne suis pas attiré par les bagnoles, je ne me suis jamais acheté une bagnole par exemple. Je ne me suis jamais acheté une bagnole. Pourtant les gens, voilà. Il y en a qui achètent des bagnoles, ça fait plaisir. Il y en a qui achètent. J'ai un pote à Brooklyn. Il a des diamants partout, là, dans sa gueule, là. That's cool, you know. Moi, j'aime mes dents comme elles sont, you know. J'ai pas besoin de diamants dans le truc. Mais c'est son truc. C'est ce qui lui fait plaisir. Il a sa super BM, là. Il est complètement obsédé par les BM. Et ses dents en or, là. Oui. Moi, je suis obsédé par l'immobilier. Par exemple, j'aime bien acheter des choses et les revendre et tout, mais c'est comme ça. Et c'est pas une obsession à l'argent, c'est juste, voilà, je suis un affairiste, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça, you know? Il n'y a pas de mal à ça. Si quelqu'un me propose aujourd'hui, je suis à Miami, je vous promets, à la vitesse où je vois les valeurs, le prix des maisons grimper, surtout des maisons qui sont au bord de la mer, grimper. Si j'ai une offre mirobolante, vous savez ce que je fais? I'm out of there. Je suis attaché à rien, moi. J'étais à New York, vous croyez que j'étais attaché? Non, I go anywhere. You know what? J'ai appris une chose. Mon grand-père m'a toujours dit, si tu achètes une orange à 1 franc, tu marches 2 pas. Si quelqu'un veut l'acheter à 2 francs, vends-lui l'orange. Ça va. Si t'aimes beaucoup cette orange, va te racheter une orange à un franc. So, I'm not attached to anything. So, don't be surprised. Don't be surprised. Parce que je risque encore bouger, je sais pas où. You know? Je bouge là où c'est moins cher. Je vends cher pour aller là où c'est moins cher. Et attendre quand ça va être cher, là où c'est moins cher. Ouais. Have a nice day. Vous n'avez pas compris? Quand ça monte, tu vends. Si tu as envie d'acheter, va acheter là où c'est bas. Parce que quand ça monte, quand ça arrive au sommet de toute manière, le seul endroit où il reste où aller, ça va redescendre. Normal.
Et pareil, l'inverse, quand ça baisse. Quand ça baisse, ça baisse, ça baisse. Le seul endroit où ça va aller après, c'est qu'on a take off. Voilà, c'est tout. Ce n'est même pas une histoire, pourquoi ça dérange les gens. Ouais, je fais des profits, et alors? Je suis taxé dessus. Alright? C'est pour ça que je suis souvent taxé dessus. Mais, vous oubliez qu'il faut avoir le flair. Il faut avoir le flair. J'ai toujours eu le flair en immobilier, j'ai toujours le 100%. Ça ne loupe jamais. Même quand les gens me disaient, oh man, tu vas acheter un truc là à Bushwick, putain, c'est le ghetto là-bas. Oui, c'est le ghetto, c'était le ghetto. Alors je vais te dire, tu vois un ghetto, quand tu vois une banque arriver dans un ghetto, quand tu vois la poste arriver, quand tu vois. Parce que eux, ils ont déjà fait le survey. Je sais pas comment dire ça en français. Ils ont déjà fait une étude, voilà. Ils ont déjà fait. La banque a déjà fait. Quand tu vois Citibank s'installer dans un quartier pauvre ou machin truc, eux, ils ont déjà fait le survey. Moi, je ne fais que les suivre. J'ai pas d'argent pour faire. J'ai pas assez. J'ai pas de staff ni d'argent pour faire un survey à cette dimension. Mais je les suis en fait. Tu vois la poste s'installer, tu vois les. Eux, ils ont des machines à sous et machin, trucs, plus de. Plein de trucs dont ils devraient s'inquiéter du fait d'être dans le ghetto. Voilà un peu une de mes stratégies, quoi. Donc, quand j'arrive quelque part, que j'achète un vieux building cabossé, machin, truc, que je vais refaire après, I already thought about it. J'ai déjà fait mon étude derrière ceux qui ont fait la vraie étude. Ok, donc si dans 5 ans je multiplie mon gain par 4 ou 5, hey, it was calculated a long time before. C'était déjà enregistré bien, you know. Ben, ici je suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que voilà, j'ai senti le Covid venir. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai senti quelque chose venir. J'ai dit New York, il faut que je quitte New York pour un moment. Et je suis parti. Et 4 mois après, boum, je suis arrivé ici en octobre. Fin octobre, j'arrive à. Fin octobre 2019, ouais. Je suis arrivé à. Je me suis installé ici. J'ai signé, j'ai acheté la maison en. Fin septembre, c'est ça. Je me suis installé. Donc, je suis allé en tournée. Puis je suis revenu. C'est ça. Donc, je suis arrivé ici en octobre. Et octobre, et bam, novembre, décembre, janvier, on commence à entendre les nouvelles un peu des trucs là de la Chine. Et en janvier, c'était fini. On a commencé à avoir des COVID patients ici. Je pense même que le premier mort aux États-Unis, c'était au mois de décembre. If I remember pretty well. So, toute manière, j'ai toujours mon flair. J'ai juste un flair incroyable. Vous n'allez pas quand même vous en douter. Regardez le nez que j'ai. Mais I can smell the shit from far away, baby. I smell the shit from far away, man. Streets for funky. You know? Bah ouais, c'est comme leur boue. Je la sens, la boue de loin, man. I'm smell that shit from far away, man. I ain't going there. Woohoo, boy. So. C'est ainsi que j'ai plus ou moins anticipé le fait du Covid sans même qu'il ait déjà pris cette ampleur. Donc en octobre, moi je suis ici. Tous mes amis à New York, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Floride? Tu vas revenir ici dans 3 mois, mais t'es fou, tu quittes pas New York. Oui, ils avaient peut-être raison. Trust me, quelques mois après, ils me disaient tous, man, comment t'as fait? T'as su que ce truc arrivait, quoi. Ils étaient tous confinés en appartement. Et moi j'étais comme le king Salomon chez moi. C'est la vie aussi. On vient sur terre pour vivre. Ok? Vous êtes venu ici sur terre. You gotta enjoy it, to live a life. On vient ici sur terre pour vivre et non pour subir. C'est pas le beer, hein? Hein? Qu'est-ce que je reprends, hein?
On vient sur Terre pour vivre et non subir. Le BIR étant la brigade d'intervention du... du rap palmiste. Hein? Et voilà un peu. Donc, je poste mes photos. Je suis devenu photographe, vous vous rendez compte? Je suis mi-prof... je suis presque professionnel maintenant. Quand j'ai vendu ma première photo, je me suis dit, ben ça y est, ben je suis professionnel carrément. Et je compte un jour, peut-être dans les... un jour, pas tout de suite. J'attends l'assemblée. Mais j'ai déjà quelques propositions de... pour faire une expo, mais les expos et tout, mais pas pour l'instant. Quoi. C'est, quel nom elle m'a donné encore là? Ma soeur qui est au Brésil là. Bonne shots. Oui, faites des likes. Avant que les ennemis ne viennent vous couper encore une fois. Mettez des likes. Bonne shots. Elle est prête à trouver des sponsors, elle m'a dit. J'ai dit, moi, je suis pas encore prêt. Je ne sais pas les choses que... Je ferai ça quand j'aurai plus de 60 ans et comme ça, je sors toute ma collection. Voilà. Donc, c'est encore des années à... You know? Pour l'instant, je suis encore musicien. Mais après, certainement... J'ai de très très belles photos. J'avoue que maintenant j'ai vraiment ces derniers mois-ci ici, j'ai vraiment shooté j'ai hâte de revoyager en fait. Maintenant j'ai hâte de revoyager à tous ces endroits, ce même Singapour quand j'allais j'avais pas un bon appareil quoi. Vous voyez, je faisais des photos avec mon iPhone en fait. Alors que là je fais des photos vraiment avec mon appareil Canon que je vous ai montré. Et je l'ai bien étudié à fond. J'ai dit, il faut que je fasse de belles photos. Je suis têtu, c'est comme ça. De nature, je suis têtu. Quand je veux faire quelque chose, I do not care, I'm gonna get it. Même s'il faut que je fasse, que je joue 25 heures, que j'étudie pendant 25 heures par jour, that's what I'm gonna do. You know? That's what I'm gonna do. C'est ma mentalité, c'est comme ça. Et un jour, j'ai vu une photo qu'un Japonais, Yoshi, c'était lui. J'avais mon appareil, mais j'ai vu, je faisais jamais de belles photos, je comprends pas. Et là, j'ai vu une photo de Yoshi Ikegami. C'est le président d'une des plus grandes sociétés au Japon, qui est Roland, R-O-L-A-N-D. Roland Japan, Roland Boss Japan. C'est eux qui font les pédales, les claviers Roland, les trucs. Ils sont comme Yamaha un peu, c'est le concurrent de Yamaha, voilà. Et... Le président de cette compagnie, c'est un bon ami. Je travaille des fois avec eux pour tester leur matériel. Voilà, un petit autre job que je fais souvent. Donc, je teste du matériel et je donne mon feedback. Voilà, sur des produits qui doivent développer. Alors, et lui, photographe, alors incroyable, juste un incroyable photographe. Et j'ai vu sa photo, putain, je lui ai dit, mais c'est avec quel appareil? Il m'a dit, mais c'est le même appareil que toi? C'est pas possible ça, mais je... Comment lui, il arrive à faire des photos comme ça et machin, truc? Il me dit, ça prend beaucoup de temps et il faut bien lire la notice. C'est vrai que moi, j'ai fait ça à la rock'n'roll, quoi. Funky, quoi, comme on fait souvent. L'appareil arrive, tu ouvres le carton et paf, tu commences à jeter. Mais non. Gotta learn. Il m'a dit mais non il faut rentrer dans l'appareil vraiment quoi. Ça, il suffit pas juste de ta. Et puis en rentrant vraiment bien dans l'appareil et en utilisant mon œil, non seulement mon œil a changé, mon regard a changé. Je suis maintenant curieux à chaque fois. Voilà, des choses que je ne voyais même pas avant. D'un seul coup je m'arrête, je suis en train de marcher, je vois un truc d'un seul coup, allez hop. Voilà. Donc la photo vous fait aussi, vous donne un peu plus de consciousness about certain things, you know. On devient plus attentionné, voilà, you know, à la nature même, plus à la nature. La photographie sans la nature, c'est une voiture sans essence, quoi, you know. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
Mais ils sont fêlés, ces gens du RDPC. Vous êtes témoin, vous. C'est encore sur Google. 2015. Ils ont sorti le ministre, là. Il a, je ne sais pas combien il a payé à cet artiste, à ce ridicule artiste laminable. Là. Comment il s'appelait encore, là? Oh, man, what was his name? Marco Polo ou Marco Bella, whatever it is. Le mec, il sort de nulle part. 2015, hein? Vous vous souvenez? Allez-y encore, c'est encore sur Google, je pense. Il sort de dessus. Ouais, c'est parce que sa carrière est terminée. Ma carrière est terminée, mais j'allais après gagner un prix. Donc toujours dans l'incohérence totale. Oui, je sais, j'ai refusé votre médaille, mais je vous ai envoyé une lettre. J'ai envoyé une lettre parce que je suis un diplomate aussi. La diplomatie, ça ne s'improvise pas. J'ai envoyé une lettre pour m'excuser et dire pourquoi j'y allais pas. Il fallait juste taire le truc, comme ça. Rien, j'ai envoyé une lettre comme quoi pour m'excuser, que j'ai même pas raconté toutes ces petites histoires. Je leur ai dit, par politesse, c'est ce qui se passe en diplomatie. Je leur ai dit, je ne peux pas, je suis, j'aime pas ce que je ne sais pas quelle raison j'avais donné, mais je dis... Finalement, je ne peux pas venir à Yaoundé recevoir la médaille pour telle ou telle raison. Je remercie, Deux jours après, allez, il commence. Il commence à faire le karaté et on insulte et on machin truc. C'est eux qui ont commencé. Que vous n'oubliez pas. Je vois un artiste sortir de machin. Ouais, c'est parce que machin truc, c'est même un Américain. Pourquoi? Ouais, mais si vous saviez que j'étais un Américain, comment vous voulez décorer un Américain? Si vous saviez que je n'ai rien fait, pourquoi vous vouliez décorer quelqu'un qui n'a rien fait? Encore une fois, la cohérence. D'être cohérent. Où est cet artiste aujourd'hui? Moi, je suis encore là. Je ne suis peut-être pas au haut niveau, mais je m'en fous, je m'en tape. Le plus important, je fais ce que j'ai envie de faire. Cet après-midi, je vais encore jouer. Ce soir, je vais encore jouer. That's what I do. Hein? That's what I do. Où sont tous ces gens? Ils vont réveiller une momie en Suisse là qui se fait tremper le chocolat dans son mou puant là. J'ai oublié son nom. Genre écrivaine, je sais pas. Je sais même pas comment il s'appelle. Les trucs là. Un truc avec des perruques et des mèches puantes là, plein sur la tête là. I don't know where she comes from. Hein? Maintenant qu'elle n'a plus elle n'a plus la délégation qui vient à l'intercontinental, ils sont plus intercontinentaux. Hein? Avant c'était l'intercontinental, maintenant ils sont intervillage à Vomekaka. You know what I mean? You know? Tous ils sortent pour machin truc. Tout ça est parti de cette médaille. Pourtant j'avais bien envoyé une lettre. C'est comme d'autres de l'anal truc là. Le canal d'or. Comment on a? Vous êtes sérieux là? Les mecs te donnent un prix? Le prix, même le verre s'y tient. Tu mets ce verre, il est là. Il tient. Vous voyez? Tu mets ce verre là, il tient. Tu prends le prix de canal machin là. Tu le poses sur le truc, vous, il tombe. Je dis, ça c'est quoi ça? En plus, tu regardes à côté, c'est. Meilleur musicien. C'est quoi musicien? Je suis un martien. What the fuck? Où est-ce que ça? Mais where do you get that? Qui a même inventé ce mot-là? Meilleur musicien. Mais vous êtes tellement nul. Même écrire. Mais faites-le en boulou la prochaine fois. You know? Je sais pas. Mettez dans un mode musique. Je sais pas moi. Mettez quelque chose et tout. Mais arrêtez d'écrire en français. Please, stop it. Stop writing in French. You know? Putain, il fait chaud ici. Hein? Vous voyez pourquoi j'aime la Floride? Parce que là, vous voyez à New York, là, j'avais la peau qui craquait à chaque fois. Avec le froid. Et ma peau est toujours blanche, là, comme ça. On dirait que je vais devenir un blanc. Et ça craquait à chaque fois. Et ici, là, avec l'humidité, là, c'est comme au village, hein? J'aime pas besoin de mettre de la crème. Hein. Même mon rouge à lèvres, j'ai pas besoin de.
pas besoin de mettre le rouge à lèvres. Ça brille tout seul. You know what I mean? Yes, that's what I'm talking about, baby. Et dans les... Mais non. Ouais, ouais, meilleur musicien, attention, je vais te museler, toi. Mais non, moi, je ne juge pas d'autres artistes. Je ne peux pas juger un autre artiste alors que moi-même, je suis encore un étudiant. J'apprends encore tous les jours. Le jour où je vais devenir un maître absolu en la matière, eh bien, je vais commencer à juger les autres. You got it, right? Parce que je sais que je ne sais pas. Et plus j'en sais, moins j'en sais. Alors, laissez-moi apprendre. Hein? Mouf, vas-y au mall, va au mall là, va écarter les jambes au mall là, va faire le challenge de mon oncle là. Non, mais c'est mon oncle, hein? C'est mon oncle maternel pour de vrai. Mini Pampan là, c'est mon oncle hein, au village. C'est mon oncle au village, mais ça n'empêche que voilà. Hein. Enfin, il faut tchouquer l'oncle, on le tchouque. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais c'était pas lui qui était ministre à l'époque. Hey, laissez mon oncle tranquille. Hein. Au moins, lui, il fait des challenges. Jusqu'à il se courbe comme ça, là. Merde. Oh. Jusqu'aujourd'hui, il a encore mal au dos. Hein. On vous a pas dit. Le mal de dos, là, c'est pas parti. Hein. Il a un lambao là depuis là qui n'est pas parti parce qu'il voulait vraiment se plier. You know, it's one of those men. The pain's still there, man. Non, c'est mon oncle, j'ai juste choqué là. C'était pas lui, c'est même pas lui. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo du mall là. Par où je respire? Tu vois là, je respire par là dedans. Voilà. Et dedans, il y a 7 filtres. Dans cette. Vous voyez déjà là, c'est imperméable. Et là, il y a 7 filtres dans ce truc-là. Et ça, tu changes les filtres, voilà. Tu peux même les laver. Celui-là, tu le mets dans une. Tu mets dans les machines à laver là. Avec un peu d'eau de Javel. Pas très machin. Tu ressors, ça marche. Tu revisses. Tu revisses là-dedans. Ah, putain, là. Tu remets et on revisse. Voilà comment ça marche. Et du coup, même l'air est filtré, voilà. L'air est supra, hyper, ultra filtré. Donc voilà, demandez comment marche le... Bah ouais, la preuve, ils veulent faire des élections en muselant Maurice Kamto. Vous savez, ils savent bien. Pourquoi on tolère ces pratiques-là? Comment est-ce qu'on muselle un opposant de cette manière? C'est parce qu'on est en dictature. Simplement parce qu'on est en dictature. You know? Ben, si vous n'avez pas peur de Kamto, mais laissez-le. Laissez-le. Qu'est-ce que vous faites devant sa maison? Mais arrêtez-le si vous voulez. Arrêtez-le pour de bon. Qu'est-ce que vous faites devant chez lui? Parce qu'il faut l'empêcher absolument de concourir. Parce qu'on le sait, s'il va concourir, il va gagner encore. It's proven. It's proven, it's clear, and you know, you can't even debate on it. You know? She's there. S'il n'y a pas des têtes brûlées comme moi, hein, là-bas. 50 têtes brûlées comme moi, je vous dis, on bombe les gars qui sont devant là, mais we bomb the shit out of motherfuckers, man. 1, 2, 3, they are out of there. Man, a few grenades here. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait. Juste avec de la bouteille, hein. Avec une flamme là et machin truc, je vais vous montrer comment on fait ça. Hein? Quelques bouteilles là, vous voulez lancer ça là-dedans, là. Y'all burn all these motherfuckers just like that. Bang! They're gone. Ah ouais, ça se fait, hein. Vous n'avez pas besoin de... une bouteille avec machin, mais je suis là-dessus. Shoot that thing. Quand ça tombe sur eux, là. Je vais vous montrer la technique.
They ain't going no fucking way, I'm telling you. You know? La violence appelle à la violence. You know? Alors, mais qu'est-ce qu'ils font chez lui? C'est ça. C'est quoi le motif? Je vais te poser la même question. C'est quoi le motif d'être chez moi? Un citoyen libre, qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu peux pas. You know? Un jour, j'ai vu des flics là, traîner là, un qui voulait passer chez moi. J'ai dit, oh, je lui dis non, mais... Non. First of all, avant qu'on commence la discussion, before we even start the conversation here, cross on the other side. Faut pas mettre ton pied dans ma propriété. Il s'est mis de l'autre côté. J'ai dit non. I know je connais mes droits et obligations. Tu veux avoir une discussion avec moi? First of all, tu as déjà tes pattes là dans mon... dans mon chez moi, t'as tes deux pattes là dans chez moi là, you know, pousse-toi un peu là, you know, just cross on the other side if you want to have a talk with me, you know, because this might go by, you know, je peux rentrer chez moi là, je te jure, je prends mon abacou là, man, I'm a boss motherfucker, man, right there, pas chez moi, you know, donc vous faites le vroom vroom là, machin truc, mais dans, chez quelqu'un, fucking not, c'est quoi le motif? Il n'y a même pas un motif d'arrestation. Juste vous envoyez des gens camper là, c'est des méthodes d'intimidation. Vous ne marchez qu'avec ça. Et la dictature a été toujours ainsi, par des mesures d'intimidation. On vous arrête, il n'y a même pas de motif, on vous enferme, on vous machin, tout. Mais c'est quoi le motif d'arrestation dans tout ça? Lorsque vous arrêtez quelqu'un, il faut voir un motif. Ou lorsque vous venez camper chez moi, vous faites une résidence surveillée, whatever. Il y a toujours un motif. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas de motif. Ah non, comment? Je ne suis pas du MRC. Je n'ai jamais voté MRC. Je vous parle simplement en tant qu'un citoyen libre. Je ne suis pas du MRC, vous racontez n'importe quoi. Si vous avez la preuve que je suis du MRC, montrez-moi une carte de membre, montrez-moi voilà, quelque chose, une affiliation du parti, something. Montrez-moi. Il ne faut pas parler en l'air. Si vous parlez en l'air, je n'aime pas les gens qui parlent toujours en l'air. Vous parlez en l'air sans des preuves. Moi, je vous parle avec des preuves. En ce moment où je vous parle, il y a des agents et la police ou la gendarmerie, il y a des militaires qui patrouillent, qui dorment devant le domicile d'un citoyen. Je ne parle même plus de candidat à l'élection présidentielle qu'il a gagné. Je vous parle simplement, c'est la preuve qu'il a gagné, c'est la preuve qu'il a gagné. Vous le craignez. Pourquoi vous avez tant peur de lui? On l'a vu quand il fait des sorties. Qui d'autre? Qui d'autre a eu cette affluence que Maurice Kamto? Que ce soit à l'étranger, que ce soit... Qui d'autre de ses participants à cette élection? Ne nous prenez pas ailleurs. We're not stupid. So, you guys, il vous reste un petit temps là. Faites ce que vous faites. Mais je vous dis un truc. It comes back. Si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre les choses et même l'honnêteté de reconnaître certaines choses, it's gonna come back to you. Les gens vont se venger, trust me. Hey, on dit souvent la vengeance est un plat qui se mange froid, le vôtre va être congelé. Let me tell you, watch. We'll be there. You'll be there. Me, I won't be there. You know? Wait, when they come to you, it's gonna be nasty. It ain't gonna be good. So, toujours, que la vérité, rien d'autre. Mais pourquoi vous campez chez lui? That's the question. Pourquoi vous campez chez lui? Vous continuez à parler, mais c'est quoi le motif? Holy shit! C'est quoi le motif de ce campement inutile? Est-ce que vous l'arrêtez? Est-ce que vous tabassez? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et tu vois des hauts gradés qui sont là, qui traînent, machin truc. J'ai zoomé, j'ai regardé, mais j'ai dit, non, c'est pas juste le mec avec un V, là, un caporal, un machin truc. Il y a des gens gradés qui sont là, mais j'ai dit, mais what is the purpose? Pourquoi vous êtes là? You know, je suis ici pour manger, boire mon café, mon jus d'orange et aller bosser ma guitare. A purpose.
Je peux pas venir m'asseoir ici comme ça. Ain't no fucking way. You know? So, passons cette page là. Donc, oui, peut-être que je suis peut-être devenu fou. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, les écrans, ils commencent à arriver là. Il est devenu fou. Ouais, quand on disait rien, parce que ça allait parfaitement. Vous aimez bien quand on ne dit rien et vous, you know, vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est dépasser ça. C'est révolu. Maintenant, je vais parler. Maintenant, je vais parler. You come to me, I bust your ass. Ain't no fucking way. Oui, j'ai les moyens de le faire. Vous êtes fou, vous allez arrêter, mais... Partout où je voyage, les ambassades américaines savent où je voyage, où je joue. Viens t'hasarder à m'arrêter. Si vous croyez que ça se passe comme ça. Ain't no way. Ils ont tenté au Ghana, non? Ils ont tenté avec un fake, comment t'appelles ça là? Interpol? Qui arrive à l'hôtel, genre ils sont venus m'arrêter. Faut leur demander ce qui s'est passé. Un coup de fil. One phone call. Booyah! Et tu crois que c'est au Cameroun avec votre trou du cul là qui vont m'arrêter pour arrêter qui? J'ai la tête de quelqu'un qu'on peut arrêter? Non mais attends, vous déconnez là. Avec vos bureaux à 3 balles là. I don't know shit, mais je les abats comme des mouches, man. You have no fucking idea. Comme des mouches. I'm telling you. Ils sont même pas équipés. They got no fucking equipment. Man, I whack those motherfuckers just like that. You know? So, arrêtez de vous bomber la poitrine et machin truc. Vous n'êtes pas les seuls qui... Vous n'êtes pas les seuls armés. C'est pas parce que les autres ne parlent pas que... voilà. On s'en fout. Mais ne rêvez même pas. Ne rêvez même pas dans votre... C'est arrêtez de rêver. Arrêtez par qui? Pour quel motif? Mais comme toi es gentil, tu viens entourer... Vous venez entourer ma maison comme ça? Mais celui qui passe le pas de ma porte... Celui qui passera le pas de ma porte sera abattu, simplement. Oh Lord, man. I take pleasure in doing that. Si vous n'êtes pas invité, don't cross. Do not cross that line. Never, don't do that. Mistakes. I don't care. On mourra tous un jour, vous savez. La manière n'importe peu. Mais moi, ces menaces-là, ou... On a grandi dans ces menaces-là chaque fois, quand on était gamin, toujours machin truc. Et le président, ça, et le président, ça. Hey, c'est fini, hein. Le président, mes couilles, là. You know? Qu'il s'aille se faire enculer, là-haut. Ça va pas la tête, là? Vous allez faire peur à qui? Hein, Bunda Tumi? Et ça ne change rien. Ça reprend bientôt, je reprends mes routes. Je reprends mes routes. Mes fans me connaissent mieux que vous. Oui? Que j'aille jouer n'importe où, mes fans seront là. They know me. Vous n'avez même pas d'argent. You got no money to buy my fucking music. What are you talking about? Exactly. You know? So. Allez. Nous on embrasse tous. Moi je vais finir mon café. And je vais aller travailler. Non mais il est trop gentil comme tout. Le professeur Camteau est gentil, c'est un homme de paix, c'est un homme de machin truc. Ce n'est même pas possible. Qui c'est qui va tolérer cela? Est-ce que vous allez tolérer ça? Et ils disent rien, tout va bien, pour eux c'est normal. Aucun ministre ne se lève dire, écoutez, ce qui se passe là n'est pas normal. Aucun homme politique de l'opposition, l'opposition n'existe même pas. Opposition au Cameroun, par exemple, ça c'est les oppositions, les ventres rares, là, je les appelle, ils ont faim, tu as faim, tu montres un parti politique, le RDPC te cachetonne un peu de temps en temps tu élèves la voix, ouais, puis de temps en temps tu vas chercher ton petit cachet,
voilà les oppositions en Afrique, et notamment au Cameroun. You know? Si, les opposants au Cameroun, c'est pour penser la panse. Ok? Oui, pour penser la panse. Donc, rien d'autre. Et le jour où un vrai opposant est arrivé, ben là, vous l'avez vu? Le jour où un vrai opposant est arrivé, l'opposant dans le vrai sens du mot même, et ben vous voyez de suite. Comme toi, tu es qui? Personne. On l'accuse de tous les maux, on l'accuse de tout. Vous l'avez vu où? En train de faire. On l'a accusé de tous les maux. Rien. En fait, c'est vous. You know? Hey. L'opposition, l'eau du poison là. Hey, I love you guys. See ya!